Non, pas ça. Sourire à 1 euro versus sourire à 100 euros. Quelles sont les différences? C'est ce que nous allons voir dans cette vidéo. Non. Mais qu'est-ce que c'est que ça? Donc voilà, aujourd'hui on se retrouve pour faire une vidéo souris à 1 euro versus souris à 100 euros à l'aide d'une souris à 1 euro approximativement, sans coûter les livraisons. Je pense qu'on la retrouve vraiment facilement à 1 euro sur les sites chinois, versus une souris à 100 euros que j'ai assez utilisée mais qui reste nickel. C'est la Razer Mamba Tournament Edition de chez Razer. Je vais juste allumer la lumière parce que là c'est pas très qualitatif, on sent que ça manque de lumière. Donc attendez, bougez pas, bah c'est beaucoup mieux comme ça. Vous avez un gros problème. Oui. Donc voilà, aujourd'hui on va comparer ces deux souris les amis. Si vous aimez les comparaisons et les crash tests, n'hésitez pas à me le dire en commentaire et proposez-moi des idées de vidéos en commentaire en rapport avec les versus et les crash tests. Et n'hésitez pas à liker vos commentaires entre vous, comme ça celui qui remonte en premier, je le verrai plus facilement. Donc c'est parti, on se retrouve pour comparer les matériaux, le poids et par exemple aussi le RGB, etc. des deux souris, donc c'est parti. Et bien heureux, on va tout simplement voir les produits de plus près. On est parti déjà avec la Razer Mamba Tournament Edition et la souris à 1€. On va peser ça à l'aide de cette magnifique balance. Hop, c'est parti. Le trafic de stupéfiants est un procédé très bien rodé. Les dealers commencent à préparer la drogue en la coupant très finement. Donc là, chauffe le couteau pour pouvoir la couper. Après on pourra la mettre en sachet et la revendre. Coupe ta caméra, coupe ta caméra. Je dis coupe ta caméra, pose. Ok, donc il faut glitcher hein, pour allumer cette magnifique balance qui coûte super cher. Ça devrait fonctionner. Ouh, ça s'allume. Ok, donc on va mettre déjà la souris. 12 grammes, c'est tout. Non, abuse pas. C'est pas vrai. Ok, donc 12 grammes, mais c'est pas très... Enfin, 6 grammes. Non. Bon, on peut déjà voir que celle-là est deux fois moins lourde que celle-là. Je sais pas si c'est les vraies mesures ou pas, parce que ça a l'air d'être une super balance. En tout cas, c'est pas grave, on va brancher déjà la première souris. Je crois que j'ai jamais branché la souris de ma vie. Du coup, on va voir ce que ça donne. Pour la souris à 1€, ça donne ça. Ok, donc le RGB pas trop fluide, qui change d'un coup. Et le magnifique RGB, bien sûr, les amis. C'est flagrant. On peut voir directement la différence. Donc, bien sûr, là, la différence, c'est la matière. La matière est beaucoup mieux ici. Les finitions sont beaucoup mieux. Le côté est beaucoup mieux. C'est pas du plastique simple. C'est un petit peu... C'est bien pour les mains et tout. Et ici, du coup, bah, c'est très uniforme. Et là, du coup, ils ont pas comblé ici. Ce qui fait que c'est encore moins lourd. Et que, genre... Du coup, enfin voilà, genre en mode, votre souris elle s'envole. Et celle-là, du coup, il y a des bons patins et tout. Et ici, les patins, ils sont. Et du coup, c'est définition en plastique pour les patins. C'est pas non plus très foufou. Après, voilà, faut laisser attendre à ça. Donc, par rapport aux tailles, ça a l'air d'être à peu près la même chose, les amis. Mais voilà, elle est très légère. Et des trucs qui se balancent dedans, c'est pas forcément bon signe. Et celle-là, bah, du coup, beaucoup moins en tout cas. Il n'y a pas de choses qui se baladent comme ça. Ok, bref. Ce qu'on va faire à la fin de la vidéo, c'est un crash test. On va essayer de voir pour démonter la souris, pour voir à l'intérieur comment c'est fait. Et aussi voir la résistance de cette souris. Bref, en tout cas, vous avez vu les deux souris. Maintenant, je pense qu'on peut passer au PVP sur Minecraft. Donc, on se retrouve pour faire quelques petits fights avec les deux souris différentes. Et bien heureux les amis, on se retrouve tout simplement sur Minecraft avec la souris à 100€. On va commencer avec la meilleure des souris pour voir un petit peu la différence. Comme ça, je pense qu'on verra beaucoup mieux le contraste de qualité. On va aller sur Mainman faire quelques 1v1. On a un bouton pour le DPI qu'on peut augmenter ou baisser. Et donc c'est parti, on va fight, on va faire un petit no debuff. Je suis pas sûr d'y arriver parce que de 1, je suis en 1-8 au lieu de 1-7. Et le DPI, bah en fait, c'est pas exactement le même que j'ai sur ma souris. Donc on va tester ça. Ah, le DPI est énorme. Il est énorme le DPI. DPI nul à chier. Hein. Genre, il n'y a pas de juste milieu. Bon, écoutez. Je peux pas, tu vois, je peux pas, putain. On va en refaire parce que là, vraiment, j'ai du mal à m'habituer. Mais en tout cas, j'arrive bien à cliquer. Ah, je suis contre le même. Ok, allez, c'est parti. C'est horrible. J'ai aucune aim. Il y a du clic, hein, franchement. Enfin, je trouve que ça clique bien pour le butterfly. Mais j'ai aucune aim. Allez, c'est parti. On essaie de faire un bon petit combo. Non, il déco? Plus d'épée. Il a drop son épée, donc c'est pas grave. On va essayer de refaire encore un 1v1. On est contre quelqu'un d'autre et puis on va voir un petit peu la souris. Ok. Oh, nice. Ok, bon bah il est mort avec la perle. Oh, c'est con ça. Ok, c'est parti. Allez, il est mort. On va faire un peu de sumo. Alors là, ça va être chaud parce que je suis en 1-8 et je prends beaucoup plus de KB en 1-8 qu'en 1-7.
Ok. Oh. Premier fight gagné. Honnêtement, je suis assez surpris. Par contre, les gars, ça c'est du cheat. Enfin, je sais pas. Non. Et voici le jitter. Ok. Le jitter fonctionne beaucoup mieux que le butter. Je sais pas pourquoi. C'est peut-être l'emplacement du bouton, etc. Aise. T'es le youtubeur, il m'a dit. Je suis mort. Ça me fait mal au bras. Et d'appuyer comme un bâtard là. Ok, GG. Donc on passe à la prochaine souris. Effectivement, la souris était plutôt pas mal. J'ai réussi à bien jouer. On va voir ce qu'il en est avec cette magnifique souris, les amis. Je pense qu'elle va vraiment voler dans tous les sens. Donc c'est parti. Et bien les amis, on se retrouve avec la souris à 1€ juste ici. Donc on peut voir que... Je vais passer 1000 ans au montage, c'est pas le but. Genre, je sens là, je vais gagner du temps. Donc là, on a la souris, les gars, qui est un petit peu RGB, un petit peu merdique. Et on va fight un plouc, donc slash duel. Ah, c'est béni. C'est quoi ton pseudo? Ok, donc voilà, c'est parti. On va faire déjà un petit no debuff. Et puis, on va voir la souris. Donc, c'est parti. Je clique déjà pas. C'est une première dans sa vie. Il me baise. Ok. Je peux pas tourner, les gars, c'est officiel. En fait, quand tu donnes un gros coup d'aim, et ben en fait, ça annule ton... Regardez, genre, ça stabilise, c'est trop horrible. Le clic est super dur, c'est horrible. C'est très très physique. Ça m'a fait mal. Aïe. Mais mec, je te jure, faut cliquer de ouf. C'est quoi ce clic? Non, mais putain. J'ai pris un screen au moment que je vois. Donc là, je sais pas du tout qui c'est qui va dominer qui. Je parierai sur moi, bien sûr, hein, c'est pour la vidéo. Oh, oh. Mais bon, mais je flingue mon bureau. C'est horrible. J'ai une vie de merde avec ma souris en euro. Attention, il va t'arriver quelque chose. Attention, il va t'arriver quelque chose. J'aime trop dire ça à mon frère. Sinon genre on faisait du sport, j'ai fait vas-y mets-toi comme ça mais attention il va t'arriver quelque chose. Et du coup il hésitait de ouf. Non. Non mais quoi. Attends, t'as une souris en euro aussi ou comment ça se passe? Pourquoi tu me touches pas? Ah. J'ai mal au bras. Il est cul nu. L'individu est cul nu. L'individu est presque tout nu. Ah. Et bien re les amis, on se retrouve sur mon bureau tout simplement. Alors vous inquiétez pas, hein, vous avez eu des choses mais c'est pas grave. Bon, on va s'occuper d'ouvrir la souris. Il faut du coup un petit tournevis comme ceci. Et là en fait il y a une vis cachée. On va ouvrir doucement mais sûrement. Ça c'est dur, ok. Et la souris est vraiment très légère. Elle est vraiment super légère et là ça s'ouvre tout seul. Les clics sont juste là. Et c'est super dur. C'est super dur. Et ça bouge beaucoup. Et là, si on la branche comme ça, les gars. Ok, le RGB, il est où? Il est là, le RGB. Ok. Bon, l'ampoule RGB est présente. Et du coup, bah, elle change doucement de couleur, ok. En vrai, c'est très minimaliste, hein, bien sûr. Hein, c'est pour économiser. Le minimum pour faire fonctionner la souris avec, du coup, une LED. Le fil aussi est assez court. Hein, je l'ai pas dit, mais le fil est assez court. On va tester, du coup. Ok, donc c'est parti. Hop, et hop, vite, vite. Bon. Bah elle a rien, elle est juste un peu plus chaude. Mais je vous conseille vraiment pas de faire ça les gars. Mais bon, je m'amuserai pas à la tremper dans un bain entier. Déjà que là c'est un peu chaud. Les amis, je pense qu'on en a fini pour cette vidéo avant que ça parte vraiment en couille. Donc on se retrouve pour faire l'outro et la conclusion. Donc c'est parti. Et bien heureux, donc écoutez, je pense qu'on a fini cette vidéo. Et je finirai par dire que, évidemment, avec 1€ on fait beaucoup moins de choses en termes de production, même en grande quantité j'imagine, que avec 100€. La différence est vraiment flagrante. Mais après je pense que sur la souris à 100€ il y a quand même la marque qui rentre en jeu, le branding et tout ça, qui vont rajouter le prix, enfin augmenter le prix, sans forcément avec une meilleure qualité. Et du coup c'est flagrant pour celle à 1€ les gars, et bien y a pas à dire, c'est nul. Vous avez vu l'intérieur de la souris, c'est vraiment très minimaliste, ce qui fait sa moindre qualité. Bref les gars, j'espère que ce genre de vidéo vous a plu. N'hésitez pas à vous abonner si c'est pas déjà fait en cliquant sur s'abonner juste en dessous de la vidéo. Moi je vous laisse, on se retrouve à la prochaine pour une nouvelle vidéo. C'était JX.